Merci à toutes, très contente de vous retrouver à nouveau pour un nouveau projet. On y va? Avant tout, ce qu'il faudra faire, c'est trier. Regardez les choses que vous avez dans votre placard qui ne vous vont plus. Vous allez voir exactement les transformations que vous voulez apporter. Certains modèles, vous allez vouloir peut-être transformer dans la longueur, d'autres dans la largeur. Pour ma part, j'ai fait le tri et j'ai beaucoup de jupes que je ne porte plus pour deux raisons. Certaines parce qu'elles sont pas assez larges, parce que j'ai pris du poids, entre autres, et puis d'autres parce qu'elles sont trop courtes. En ce qui me concerne, je choisis ces deux jupes. D'une part parce que je pourrais marier les deux tissus, et d'autre part, pour la même raison, les deux sont trop courtes. Vous allez voir, c'est très facile et très rapide aussi, dans la mesure où déjà le vêtement, vous l'avez. La coupe est déjà faite, la couture est déjà faite. Je vais donc sacrifier celle-ci, parce qu'elle a des petits plis et que je pourrais très bien adapter en bas, à ce niveau. Et le deuxième intérêt aussi, quand vous transformez, c'est de récupérer certaines parties du vêtement. Notamment ici, je vais récupérer mon élastique. Et vous allez tout le temps procéder de cette façon, c'est-à-dire le deuxième vêtement que vous êtes prêt à sacrifier, vous allez d'abord récupérer tout ce que vous pouvez. Ça peut être un élastique, ça peut être le bouton, ça peut être aussi le zip. En fait, tout est réutilisable. Comme vous pourrez le constater, je vais utiliser donc ce morceau et j'ai récupéré la doublure de celle-ci et l'élastique. Ça, c'est déjà un avantage. La première chose, essayez votre jupe. La deuxième, déterminez la longueur que vous voulez donner, donc la différence que vous voulez rajouter. Et cette différence, vous allez l'obtenir avec la deuxième jupe. N'oubliez pas de laisser la valeur de couture. Donc, vous laissez au moins 1 cm, voire 1,5 cm. Et coupez. Découdre l'ourlet de la jupe principale. Comment découdre? C'est simple. On introduit la pointe dans le point de la couture, ce côté tranchant, et c'est ce côté que vous allez utiliser. Je réexplique. La pointe, vous la rentrez dans le point de la couture, et regardez, je fais ce geste pour tirer. C'est-à-dire, je ne fais pas ça. Si vous faites ça, vous allez couper. Faites plutôt le contraire, comme ça, le dos. Et vous tirez. Et vous allez procéder ainsi jusqu'au bout. Voyez, ça se fait quand même rapidement. J'ai ouvert donc l'ourlet et je vais le laisser. En fait, je vais même pas le repasser parce que je vais le réutiliser par la suite. Donc j'ai cette largeur. La bande que je vais rajouter, je vais mettre endroit contre endroit. Épingler tout autour en vous assurant que vous avez bien mis la couture de la première jupe avec la deuxième et le milieu avec le milieu. Et bien répartir la différence. Vérifiez quel est le tissu qui se détend le plus et c'est celui-là que vous allez mettre contre les griffes. Pourquoi? Tout simplement afin de éviter que celui-ci se déforme davantage. Et finissez toujours par un point d'arrêt. Comme vous pouvez le constater, donc j'avais piqué là, ici. Je vais remettre donc l'ourlet comme il était auparavant. Et je vais venir piquer exactement, en fait, je vais venir repiquer la piqûre que j'ai enlevée. Ce qui va me donner donc cette impression de jupon. La piqûre va être là, ici. Il y aura ça qui va être surlevé. Et je vais venir piquer exactement là où c'était piqué auparavant. Une façon rapide et facile pour rallonger ses robes ou ses jupes. Une autre jupe que j'ai faite aussi, dans le même principe, j'avais récupéré ce morceau à partir d'un chemisier. Voilà une façon peu onéreuse de donner une seconde chance à ses vêtements. C'est la fin déjà. En tout cas, je vous remercie pour votre soutien. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas un petit like, un commentaire
et surtout, abonnez-vous!